que j'ai grossi tes pieds depuis l'année dernière. Encore un effort. Ben le voilà le problème, que ces bottes sont étourdies. Vous vous êtes mises sur le mauvais pied. Et pourtant, vous savez que nous sommes le 24 décembre. Aujourd'hui, c'est le jour de l'année où j'ai le plus de travail. Allons les reines, venez, venez me voir. Bijoux, marquis, comète, câlin, je vous ai amené de la bonne mousse. Miam, 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 elle est... Oh, oh ça alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Les reines n'ont pas de pneus. La seule explication possible, c'est que quelqu'un d'autre est venu ici. Quelqu'un a pris mes reines. Oh, oh là là là, ils peuvent être n'importe où dans le monde. Oh, 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 et je n'ai pas le moindre indice sur l'endroit où on a pu... Oh. Bonjour, petit rouge-gorge. Oh, qu'est-ce que c'est? Des hommes, tu dis? Des camions? Ils sont partis avec les reines? Dans cette direction? Et ils ont laissé ceci? Oh, eh bien, merci, mon jeune ami. Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un... Je ne sais pas ce que c'est. Oh, je crois que je vais avoir besoin d'aide. Et vite! Leur tourne! Oh, mais que faire? Réfléchis. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh, je suis trop affolé pour réfléchir. Quoi? Qui? Qui est là? Qu'est-ce que... Le livre magique! Et comment n'y avais-je pas pensé? Mais si, j'y ai pensé. Voyons voir. Oh, attention, vous allez me froisser. Oh, je suis désolé, mais je suis tellement paniqué. Ah, pourquoi cette panique? C'est parce que mes reines ont disparu. On me les a volées. Et si je ne les retrouve pas, alors il n'y aura pas de Noël. Et tous les enfants du monde seront tristes. Calmez-vous. Ils croiront que je les ai abandonnées. Du calme, c'est trop du calme, du calme. Voulez-vous vous calmer? Je vous suggère de m'ouvrir à la page 387. 387, la voilà, ça y est, j'ai trouvé. Si la veille de Noël, avant que tombe la nuit, des reines volant n'a aucun signe de vie, c'est au tour du monde qui voudra chercher en conduisant l'homme sur le traîneau enchanté. L'homme? L'homme? Dans notre métier, c'est ce qu'on appelle une formule magique. Ah, vous aurez besoin de ceci. Oh, oh, oui, oui, et bien sûr, j'en aurai grand besoin. Mais pourquoi faire? Seules les reines perçoivent les sons qu'il produit. Et quand ils entendent son appel, ils y répondent. Et maintenant, au travail. En route, heureusement qu'il me reste le traîneau enchanté pour me déplacer. Je vais les retrouver. Espérons que ça va marcher. Ah oui, la voilà. Allons-y. Oh, 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 mi. Si la veille de Noël, avant que tombe la nuit, des reines volant, on n'a aucun signe de vie, c'est au tour du monde qu'il faudra chercher en conduisant l'homme sur le traîneau enchanté. Oh, ça marche vraiment. Bien sûr que je marche. Seigneur Dieu, mais tu parles. Rien ne vous échappe, Père Noël. Attelez les reines et allons livrer les jouets aux enfants. Ah oui, mais justement, nous devons d'abord les retrouver. mais je ne peux pas voler si les reines ne sont pas là. Mais le livre a dit que tu pouvais. Fais un effort, il faut que tu essayes. Le Noël des petits-enfants dépend de toi. Écoutez, je n'ai jamais volé en solo. Mais, waouh, c'est parti. Ne vous en faites pas, je vais trouver la technique. Mais où allons-nous? Dites-moi,
dites-moi où vous voulez aller et je verrai ce que je peux faire. Eh bien, les traces vont dans cette direction. Oh wow Ma pauvre tête, j'espère que personne ne nous a vu. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Quoi? Oh, oui, je vais bien, je vais mieux que jamais. Oh. Merci. Merci, mon garçon. Bien, je suis le père. Monsieur Nicolas. Je suis monsieur Nicolas à ton service. Je suis Simon Watson, à votre service. Que faites-vous à voler dans cette drôle de chose? Cette chose, permettez, moi je suis un traîneau. Oh, ça parle? Oui, ça parle. Et pourquoi ça ne parlerait pas? Vois-tu, mon cher enfant, la raison pour laquelle je vole dans cette chose, c'est que j'ai perdu mes rênes. Enfin, je veux dire, les rênes des animaux qui tirent le traîneau et... Vous avez dit rênes? C'est-à-dire en quelque sorte, mais peu importe, ce qui compte, c'est que je crois que quelqu'un me les a volés. Un homme avec une barbe, un traîneau et des rennes qui ont disparu. Est-ce que vous êtes le Père Noël, dites? Non. Parce que mes parents m'ont dit que le Père Noël n'existait pas, que c'est une invention. Comment? Mais bien sûr qu'il existe. D'ailleurs, moi je... Non, oh, oui, tu as raison. Donc, tous vos rennes vous ont été volés? Oui, ça ne fait aucun doute. Waouh, je vais vous aider à les retrouver. Vous voulez bien le faire voler? Nous ne pouvons pas nous encombrer d'un petit garçon. Oui, mais tu sais, dans cette aventure, un peu d'aide ne nous ferait pas de mal. Et puis, on pourrait le ramener chez lui, tout de suite après. Oui, mais je crois qu'il sait qui nous sommes. Eh bien, nous sommes obligés de l'emmener avec nous. Bon, si vous le dites. Oh, j'ai oublié un léger détail. Il ne vole... Oui. Pas très bien, accroche-toi. Monsieur Nicolas, des rennes. Où sont-ils? Là, en bas. Oh, oui, tu as raison. Allons-y, traîneau. Nous descendons. J'ai dit de descendre. Bon, d'accord. Je reconnais que les rennes sont bien plus douées que moi pour les atterrissages. Enfin, je vous ai retrouvé. Regardez, c'est moi. Venez par ici. Bijou, Marquis, Câlin, Comète. Venez me voir, mes chéris. Oh, non, tu n'es pas prince, n'est-ce pas? Non, tu ressembles plus à... un taureau. Oui, c'est bien un taureau. Ah oui, c'en est un. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'une solution. Sauvons-nous vite. Mais Simon, je croyais que tu avais dit que c'était des rennes. J'espère que ce n'est pas un taureau cette fois. C'est sûrement une chèvre ou bien un éléphant. Non, je vous assure, c'est un renne. Oh oui, bravo Simon. S'il y en a un, les autres ne doivent pas être bien loin. Nous descendons, traîneau. Écoutez, je suis désolé, vraiment désolé. Mais c'est dur de voler. Ne pourrais-je pas redevenir un traîneau ordinaire? Bon, pas de doute, cette fois c'est vraiment un renne. Mais je suis incapable de dire lequel. Tiens, tu vas prendre ça, Simon. Il ne se sauvera pas à ton approche s'il voit que tu as de la mousse avec toi. Ils adorent cette mousse. Ces rennes, ce sont de grands gourmands. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégoûtant! Vous entendez? Il parle! Pourquoi êtes-vous déguisé comme ça? Nous le faisons chaque année pour la grande fête de Noël qui a lieu à la mairie. Nous attendons le Père Noël, mais j'ai bien peur qu'il nous ait oubliés. Oh! Je sais où il est, le Père Noël! Non. Chut!
Mais si je peux, je me ferai un plaisir de vous aider. On m'a très souvent dit que je ressemblais beaucoup au Père Noël. Ah, c'est vrai. En regardant bien, il y a petit quelque chose. Hmm? Vous pensez pouvoir rentrer dans ce costume? Eh bien, je peux toujours essayer. Il ne lui va pas aussi bien qu'à Eric. Oh, oui, je crois que nous... Enfin, nous pouvons entrer. Oh, c'est pas vrai! Oh, je suis désolée. Au revoir et merci pour votre aide. Au revoir. Ah oui, tu regardes l'indice de Monsieur Rouge-Gorge. Il a trouvé cette chose à l'endroit où les rennes ont disparu. Monsieur Nicolas, je crois que je sais ce que c'est. Vite, par ici. Hein? Et voilà. Oh mon Dieu, mes rennes ont été volées par un cirque. Un cirque! Et mon père voulait m'y emmener. Je crois qu'il n'est pas très loin d'ici. Dans cette direction. Oh, nous n'arriverons jamais à les retrouver. Oh là là là, je ne sais pas quoi faire. Mais oui, le livre magique. Alors maintenant, écoute-moi. Si je ne retrouve pas mes rennes très bientôt, ce sera la fin de Noël. Vous avez oublié, n'est-ce pas, hein? Oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Moi, oublié quoi? La trompette magique. Ah, la trompette magique, bien sûr. C'est quoi la trompette magique? C'est un instrument merveilleux. Il n'y a que les reines qui peuvent l'entendre parce que elle est magique. Tiens, prends-la, tu vas souffler dedans pendant que je regarderai en bas. Je souffle. Pas d'excuses! Je veux que ces stupides animaux travaillent. Maintenant! Oh, qui a fait ça? Ce n'est pas drôle! Désolé, monsieur Farban. Va nettoyer ce canon et applique-toi pour une fois. Oui, monsieur Farban. Oh, s'il vous plaît, gentille reine, acceptez d'aller sur la piste, faites-le pour moi. Monsieur Farban est vraiment très en colère. Hop! Oh, hop! Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis désolée, Monsieur Farban. Je ne pense pas que ces rennes soient faites pour le cirque. Je ne t'ai pas demandé de penser, je t'ai demandé de faire un spectacle. Sinon, je les ferai souffrir avec ceci. Mais c'est mon cirque quand même. Tant que ce contrat sera entre mes mains, je serai le seul à donner des ordres ici. Et surtout, ne va pas te mettre en tête de les libérer. Parce que j'ai la clé. Oh. Non, ça ne sert à rien. Essayons encore une fois. Tu veux bien, Simon? Une dernière petite fois. D'accord, je souffle une dernière fois. Que dites-vous de ça? Le petit a réussi! J'aimerais bien savoir ce que signifie ce vacarme. Regardez les voilà! Ouh! Ils ont répondu à la trompette magique! Oh, oh mes rêves, je suis si content! J'en pleurerai! Écoute, les reines savent que je suis ici, mais il faut que j'arrive jusqu'à eux. Simon, crois-tu que tu aurais le courage de te glisser sous une des tentes du cirque et de faire une sorte de diversion? Oui, je vais le faire, maintenant. Oui, bonne chance. Chut, chut, doucement. Oui, je sais que vous êtes content de me voir. Moi aussi, je suis heureux, les enfants, et tellement soulagé. Chut, allons du calme. Silence. Oui. Oh non. Oh,
s'il te plaît, tu dois bien avoir une formule pour ouvrir les cadenas. Pour ouvrir les cadenas? Je crains que... à moins... Ah, ah oui! Non. Gorky, est-ce que ça va? Oh, comment c'est arrivé? Ah, Monsieur Vorba m'avait demandé de nettoyer le canon, alors je suis rentré dedans et tout à coup... bang! Ah, oh, pas ça non plus, non? Oh, qu'est-ce que c'est? Bonté divine, mais fantastique! Bon travail, monsieur Rouge-Gorge! Aïe! Tiens, 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 qu'avons-nous là? Tu voulais entrer sans payer ou alors tu voulais voler mes rênes? Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans le canon. Nous allons donner à ce petit intrus un aperçu de la justice du cirque. Ah, mais monsieur Forban! Toi, pas un mot! Allons voir si Daisy n'aurait pas envie d'un compagnon de jeu. Je suis sûr qu'elle te trouvera à son goût. Non, vous ne pouvez pas. Ah non, je ne peux pas. Alors, regarde-moi bien, fillette. Mes reines, mes magnifiques reines. Pas si magnifiques que ça, vu d'ici. Écoutez, Père Noël, maintenant que vous les avez retrouvées, je pourrais peut-être redevenir comme avant. Et qu'est-ce que vous en dites, hein? Je me demande où est Simon. Oui. Il devrait être revenu depuis longtemps. Oh! Oh non! Ils l'ont attrapé! Ils ont Simon! Oh! Comme ça, tu voulais t'introduire dans mon cirque! Voilà qui te servira de leçon. Debout! Daisy, le dîner est servi! Monsieur Farmer! Les nouveaux animaux, là, ils volent, regardez. C'est ridicule, ne dis pas de bêtises. Ah, mais ils volent. Oh, oh. Gentil, ours. Gentil, gentil. Monsieur Nicolas, allez. Tout va bien, Daisy. C'est moi! Ce garçon, c'est un ami. Oh non, il s'est envolé! Avec mon superbe fouet! Me voilà! Ouh, Simon! Simon! Attrape le fouet au prochain passage! Je suis prêt! Maintenant, c'est à mon tour de te rendre service. Regardez ça! Maintenant, je ressemble à un cerf-volant. Oh, mais c'est ma chère Daisy! Oh, quelle bonne surprise! Le temps est un peu frais pour une promenade. Oh, très, très, très jolie fourrure! À l'aide! Quelqu'un! Faites quelque chose! C'était merveilleux. Merci à toi, mon enfant. Mais il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Pourquoi quelqu'un voudrait-il voler mes gentilles reines? C'était une idée de Monsieur Forban. Il voulait une nouvelle attraction. Nous, nous n'étions pas d'accord pour les voler. Mais c'est un homme qui est très, très méchant. Oui. Je crois que nous n'avons plus rien à craindre de ce cher Monsieur Forban. Livre magique, c'est l'heure des présentations. Voilà qui est mieux. Mais vous êtes le Père Noël. En personne. Vous connaissez beaucoup de vieux monsieur barbu qui se promène dans un traîneau tiré par une horde de rennes? Moi, je le savais depuis le début. Mes petits amis, nous devons partir. Tu peux venir avec nous si tu veux. Merci. Mais
toute ma famille est ici. Ils ne sont pas méchants, vous savez, à part ce monsieur Forban. Mais maintenant qu'il n'est plus là, nous allons pouvoir faire de ce cirque un merveilleux endroit. Très bien. Dans ce cas, je vais faire quelque chose pour t'aider. Mais comment? Tu verras. En route, bisous, Marquis Comet. Le travail nous attend. Au revoir. Et merci. Au revoir, Simon. Au revoir, Père Noël. À l'année prochaine. Tu oublies qui je suis. Le Père Noël, c'est où habitent tous les petits enfants, tous. Oh mais oui, c'est vrai. Je dois te quitter, Simon. J'ai tant de choses à faire. Des cadeaux à emballer et des cheminées à visiter. Au revoir, Père Noël. Au revoir, Simon. Et merci. Et tous les enfants du monde te remercieraient eux aussi, si seulement ils savaient. Au revoir, Trino. Tu vas me manquer. Oui, toi aussi. Bon, eh bien, si on y allait maintenant, Père Noël, ces adieux sont trop émouvants. Simon, c'est toi? Papa! Simon, n'oublie pas de dire à tes parents que le Père Noël existe vraiment. Comptez sur moi. Au revoir. Simon, où étais-tu passé tout l'après-midi? J'ai aidé le Père Noël à retrouver ses rennes qui avaient disparu. Tu as aidé? Oh, c'était donc ça. Encore merci. Si jamais j'en avais besoin, je saurais où la trouver. Dépêchons-nous, Père Noël. J'ai froid. Et si vous n'avez pas d'objection, j'aimerais redevenir, enfin, vous savez, un simple traîneau. Je suis très fatigué. Oui, mon ami. Et merci. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans ton aide précieuse. Ta conversation me manquera. Allons, en route. Hop, hop, hop. Bijou, Marquis, Comète, Câlin, Prince.